Et bienvenue tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui Noël Do, comme ça on peut dans le titre, l'épisode 26 de Life is Strange. Donc on s'est arrêté sur le fait qu'on examinait les indices permettant de retrouver Kate, Rachel, pardon, puisque Kate est RIP. Donc j'avais pas encore les animés, et bah c'est ce qu'on va faire maintenant. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Ah, c'est pas fini. Bon, on va examiner qu'est-ce qu'il y a. Ok Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. Ça me sert à rien ça. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Ah mais si, c'est pour décrypter les... Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains ça, c'est a les lot. Clients. If Frank applied this kind of detail to his life... Ok, non, 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 ok, je viens de comprendre. Feuille. Donc ça, c'est les... nous, ce qu'il faut, c'est Kate. Katie? Kate? Non, c'est Chloé. Donc Chloé, c'est le bulldog. Ah non, c'est pas... Non, c'est Nathan. Putain, le con. Donc c'est un Roth qu'il me faut. C'est Roth. Tout ce qui concerne Roth. Donc, est-ce qu'il est là-dedans, Roth? Oxford, tata, Roth, ouais, il est là-dedans. Donc, ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il est là? Il y est pas, donc ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il est là? Tata, il est pas non plus là-dedans. Est-ce qu'il est là? I wonder what dog name Frank would have given me. Roth, il est là. Ah, il est fou pour les chiens. I'm getting a contact high just reading. Donc à mon avis c'est le dernier, c'est celui-là. Oh yes, these are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. I'm so glad you're working with me on this. Tu fais rien toi. Ah c'est les surprises. Je croyais qu'il était dans le lit. Bon matin à toi. Great. Now how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Bon. Yep, another car David was tracking. Who else was David tracking here? Why the hell are you following ça, these plaques. People? And to where? Donc, maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Ah, mais ça peut m'aider. C'est une voiture bleue. Non, ça m'aide pas. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Bon, la plaque c'est quoi? C'est TW. Is this Nathan's car? Donc c'est celui-là. TP. TW. Donc c'est ces deux-là, avec sa plaque. Sa plaque, elle est ici. This is like goddamn math. I suck. Bah, quoi? Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with looks like this isn't Attends, the right combination. Attends, je me suis pas trompé quand même. TWLGHT. TW... Ah! Je me suis fait avoir comme un couillon. LGHT, c'est l'autre. Donc c'est bien ça. Avec sa photo et sa plaque. Oh, no. This is not working. Okay. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Ça m'aide Max, pas, ça. There's no logical link between those clues. Attends. Parce que là, c'est TWLGHT. Donc ça correspond à son camion. À sa camionnette, son 4x4. Who does this car belong to? SX. Ah, donc non. Non, c'est pas les mêmes. Donc il me faut SX. Voilà. Et ensuite il me faut le conducteur. Bah voilà. Ah, je suis con hein. C'est justement ce que je voulais faire en réel.
Ensuite. Let's start hacking. Bon, là, bah, voilà. Son pin, bah, juste à regarder sur sa feuille. Ça, c'est son numéro de téléphone en haut. 95 35. Oups, bad code. Donc c'est pas 95 35. Est-ce que c'est 44 36? Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Et bah le dernier, 54 31. You locked it, dumbass. Ah non. Mais ouais, mais je m'en fous en fait. Parce que je peux le bloquer à l'infini. Parce que j'ai le code PUC. Yeah, I knew it wouldn't be. Du coup, je vais le faire ça. Et le code PUC, je l'ai. Ah, va t'en le retenir, toi. Je peux le noter quelque part ou pas? 87, 89, 78, 08. 87. 89. Oh, wrong code. Fuck you. And you 87, made 89, me 78, 08. Ah. 87, 89. 87, 89. Putain, mais mec, je suis pas doué pour retenir. 78, 08. 87, 89, 78, 08. 87, 89, 78, 08. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Oh! Yo, il me faut du G. Cool. Putain, tu m'as donné de l'eau, enculé. Ento, amène-le-moi, j'arrive. Il va pas y aller, keuf. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Prépare la pipe. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Pas le temps, je paye double. T'as intérêt à avoir du flic sur moi. C'est pas mon QB. Donc je suis mon culé, adresse. J'appelle avec tous les détails, j'arrive pas pour ton fric. Drug dealer drama. T'as veillé, à ton avis, tu fais quoi? Tu payes le tarif de nuit. Fais pas pour voter. C'est le poignard, besoin de plus. T'es chez toi, ouais. Va te faire foutre. God, Nathan. You're out of control. Rendez-vous à la plage, je ne vois des vraiment pas. So it was you. Now I can officially call you a psycho-stalker. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Ah, c'était moi, ça. Is this from Nathan's father? That's brutal. T'as eu un comportement en tant que tel. Ah bon? Bon, j'ai pas plus d'infos, hein, à part qu'il y a un toxi. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Oh là 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 là. Trois éléments. Bon. Il m'en faut vite fait. Je suis pas livreur, donc ça, ça a rien à voir. Ensuite, t'es réveillé, à ton avis, tu veux quoi? T'arrives de nuit. Faut de la beuh. Faut du G, calme-toi, amène-le, y'a les keufs. Bah ouais, mais ça m'aide pas, tout ça c'est les trucs qu'ils ont... Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Ça m'aide pas du tout. Qu'est-ce que I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest.
Non, je voulais pas le sectionner, je vais regarder. Somebody is stocking up on gas. Why? No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Not much out there. Hey, me dis pas que c'est le pancake, j'ai pas fini. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor... If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Bon, je sais pas quoi choisir. So, this infamous party was the 4th. Donc ça m'intéresse, c'est la date. Que je peux pas sectionner. Parce que la date est le 4. This infamous party was bon, maintenant je dois voir la date. La date, le 4. Donc, le 4, ça c'était le 10. 4. Nice. Ensuite. En dessous, je peux pas l'avoir, non. À côté, je peux pas l'avoir non plus. Ah, je peux prendre 15 messages. Donc ça, c'est aussi du 4. Et ça, c'est pas du 4. Donc, c'est soit lui... Il m'en faut vite fait. Il était 22h. Donc ça, c'est... Ah ! Il m'en faut vite fait. À 22h. Donc c'est forcément celui-là que je dois prendre. Parce que c'est celui qui a... un peu dégommé, voilà. Là, maintenant, je dois prendre le 4 du 10 à 17h. Donc c'était à 20h. Donc là, c'est le 10. Là, c'est le 10. Là, c'est le 10. Ah oui, mais c'est à l'envers. Merde, le coup. Ah, je suis bête. 15h... Donc là c'est 10h50, ah 22h50. Et là il me faut la photo du coup qui l'a amené à la plage. Damn. I must have missed something. Attends, j'ai loupé quelque chose quoi. Parce que là c'est sûr et certain, il m'en faut vite. À 22h24. À 22h24 et ça datait du 4 octobre, du 4 du 10, donc c'est bon, donc ces deux là, celui là est bon. Ensuite 22h50 Roth, donc Roth c'est le ouais, donc ça c'est bon. Le 7 du 10, voilà l'erreur où j'ai faite, pas 7 du 10 et du 10 du 4. Du 30, 10 du 7, 10 du 4, à 11h. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. 23h, donc du coup c'est pas la bonne location. Et il était 23h quand il a commandé. Donc là j'ai juste à regarder par rapport aux heures. Non, c'est pas là que je voulais voir. 23h23. Attends, c'était le 4? Donc c'est pas là. Pas non plus là. Le 3 c'est pas là. Le 4 c'est pas là. Pas non plus. Et j'ai fait le tour. Non. This is not working. 4 du 10 à 19h25. Ça peut pas être long plus. Max, there is no logical link between those clues. Ah, Kadji, 22h56. Boulet. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. This is a shitty old barn. Keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. Ah! I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other.
so we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Et bon, on sera prudent pour le prochain épisode puisque j'arrête l'épisode ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça vous fera un plaisir et c'est ainsi qu'on dit bye. Allez, ciao tout le monde.